Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essens. Samedi 20 mai, l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essens a accueilli Patrick Chenet pour la dédicace de son nouveau livre, Lettre d'excuse. Mais justement, pourquoi s'excuser ? S'excuser, c'est un préalable, c'est une manière, c'est un fil rouge pour essayer d'avoir des explications sur ma vie, sur les gens que j'ai rencontrés, mais pas que les gens, il y a aussi des concepts, des endroits, des dates, des éléments, voilà, où je m'excuse auprès d'eux de ne pas avoir suffisamment fait attention à, ou d'avoir été un peu trop sur moi, ou pas, voilà, et on blesse toujours des gens sans, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'y prend pas garde souvent, sans que ce soit forcément une volonté. Puisque votre livre a beaucoup de succès, avez-vous prévu d'en écrire un autre dans le même genre ? On m'a demandé de réfléchir à un mot. C'est peut-être le tome 2 des lettres d'excuses ou alors un roman, je ne sais pas encore. En parlant d'autres livres, vous avez également écrit « La vie est belle, je me tue à vous le dire ». Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une espèce d'autobiographie, c'est un livre d'aventure. L'aventure d'un type, d'aventure professionnelle, personnelle, sur un type qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Non, c'est autobiographique, c'est les choses qui me sont arrivées, c'est les rencontres que j'ai faites. Si vous êtes intéressé par l'un de ces livres, vous pouvez les retrouver à l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essens, dans vos librairies ou bien sur Internet.